D'accord. Et tu me poses des questions et je te réponds ? Vas-y. Ou il faut que je parle ? Sinon, tu peux faire en une fois. Du coup, prénom, ta fonction bénévole et comment ? Ouais, pour toi, la guinguette, c'est quoi ? D'accord. Et on peut faire des prises autant qu'on veut. Alors, attends, je me fais mon texte dans ma tête. Hein. Je suis plus à l'aise en classe, en fait, tu vois ? Je vois. Il faudra un autre contexte. Non, mais ouais, c'est une question d'habitude. C'est ça. T'inquiète. En fait, il n'y a pas de pression, quoi. C'est... Bah si. Ça va vite. Non, tu me prends en dépourvu. Je suis Isabelle. Je participe à la guinguette sonore en tant que bénévole. Je suis à l'entrée au guichet. Et j'avais très envie de participer en tant que bénévole pour participer à la vie culturelle sur Istres. Nickel. C'est bon ? C'est bon. Les nouveaux noms propres, dédiés qu'au demain, ce sera pas nous. Nous serons les non-dits, dans le regard en coin, d'un même regard tous. On se construira des phares d'Atlantique pour nos projets radeaux. Radeaux d'allumettes, de brocs et de briques, navires qui prend l'eau. Schiste creux de nos têtes. Et le petit jour, en robe des grands soirs, dansera pour nous. On se gorgera de rires arrosoirs et on gommera tout. Si c'est écrit quelque part, resserre-moi que je rentre un peu chez nous. Ce qu'il faudra bien pour que cette aise les loue. Moi, je m'appelle Nat. Pour la guinguette sonore et l'association, je suis trésorière. Et voilà, je suis bras gauche, bras droit de Seb, le président. Et après, bah, je suis un peu femme à tout faire. Je chapeaute toute cette joyeuse équipe de bénévoles. Et après, ben pour moi, la guinguette, c'est beaucoup de boulot, quand même, faut le dire. Mais après, voilà, ben c'est que du bonheur, quoi. Quand on voit ce qu'on arrive à faire, c'est de la super éclate. Voilà, c'est beaucoup de bière, beaucoup de rock. Et voilà, et vive la guinguette! Yeah.
If it's not junk, sense fear. And I walk into a real home if you sure know me. Faut pas parler de Rome, tout ça là, faut. Ah, c'est bon, je vais te dire un truc sérieux. Allez. Donc, mon prénom, je dis, alors, ben, mon prénom c'est Nicolas. Je suis technicien backline, donc je m'occupe essentiellement des batteries.
Et voilà, et la Guinguette, c'est, pour moi, c'est un festival dans un cadre idyllique, quoi. Sympa, on passe un bon moment en musique. Parfait. Juste mon prénom ou je dis je m'appelle Chloé? Comme tu le sens. Okay. Je te regarde toi. Hein. Tu me regardes moi. Ok. Je m'appelle Chloé, du coup je suis chargée du stand pour les enfants, donc les petits poulpes, et je vais en renfort aux entrées. Et pour moi la Guinguette c'est un chouette projet tenu par des chouettes personnes qui prouvent tous les jours leur investissement et du coup c'est super agréable de travailler avec eux dans une bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est cool et on découvre des bons groupes de musique. Oh bah salut, moi c'est Virginie, bah je m'occupe du merch pour les groupes. Et bah pour moi, la Guinguette, c'est amour, poulpe et rock'n'roll. Voilà. Karine, je suis la préposée au jeton pour se substanter et s'abreuver. Et la Guinguette, c'est du bon son, de la bonne bière, des gens sympas, c'est la fête! Quand les cigares ils changeront de bouche, que les starelles changeront de main. Que la bonne soupe changera de louche. Dis-moi, qui sera dans les motards? Quand les gibus y changeront tête, que les bagous elles changeront de main. Que les maris changeront de fourchette. Alors là, les employés, on sera les rois. Et faudra plus nous négliger. Nanana. C'est nous qu'on sera les PDG. Take control.
C'est bon? Et tu me regardes moi. Ok. Tu me dis c'est bon? C'est bon. On peut commencer le soundcheck si vous voulez. Simon, ben, coordinateur de la légumerie. Non, mais je sais pas ce que je suis en fait. Ah bon. Oui, c'est bon. Salut, moi c'est Simon, responsable logistique à la guinguette sonore. Et la guinguette, ben, c'est le paradis avec du rock, du poulpe et de la bière. Donc voilà. Merci public. Anise, je m'occupe des réseaux sociaux pour la guinguette sonore, Instagram et Facebook. Et la guinguette, pour moi, c'est l'histoire d'un passionné qui s'appelle Sébastien Drière et qui avait pour rêve de monter un festival et qui a eu la générosité d'embarquer toute sa bande de potes pour réaliser son rêve. Et c'est un rêve qui s'inscrit dans la durée, donc on est très très contents. Feel my heartbeat.
I wanna reach the light that I see. It's your face I see through the clouds. Hope that I respect my vows. It's a shadow coming over me. Birds are falling from the hickory tree. I wanna reach the light that I see. Oh, voilà. C'est vraiment incroyable. Ça, je pense que c'est ça, tu peux le garder, je pense. Pourquoi ça filme? Oui, ça filme. Ah, c'est génial. T'as vu ton état de pantalon? Ah, bah dis donc. Ça, c'est filmé aussi. Allez, parce qu'il y a l'apéro. Il y a l'apéro qui commence, donc tu sais. Allez. Là, je suis moins stressé, donc je vais aller moins vite qu'à la guinguette. Donc voilà. Mais quand même. Nous réexpliquerons que à la guinguette, tu étais tellement pressé que... Pressé, énervé, c'est ça. Agressif. Voilà. Donc, rappelle-nous les questions. Prénom. Sébastien. Fonction bénévole. Oui. Maître du monde. Et pour toi, la guinguette, c'est quoi? Le projet d'une vie. Non. C'est... T'es prévu, celle-là, hein. Ouais, de quoi? Toi, tu l'avais déjà dit. Ah, mais celle-là, ouais, j'avais déjà dit, c'est le projet d'une vie, tu vois. C'est toujours du suspense, de l'aventure pour arriver à deux jours où on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, c'est un fantasme devenu réalité. je dirais un projet cher plus qu'un. Ouais, enfin, bon. Un fantasme, allez, si tu veux. Un rêve devenu réalité, tout à fait. Grâce à vous.
C'est toi l'alarme normalement. Non. Bah, si, on est à quelques mois du coup du prochain. Ouais. T'as quelques petits trucs à nous annoncer. Tu veux la petite surprise? Vas-y. Je sais pas, on a rien à redire. Hein. Le nombre de groupes. Si. Le nombre de groupes. Ouais, mais on. Non, on va pas redire non plus. Il y a une surprise. Les dates du festival. C'est le vendredi et le samedi. Ouais. Oh. Voilà, le 2 et 3 septembre. Ce sera où cette fois-ci? À la Romaniquette. Oh. Mot de la fin? Tous en cœur? Chier! Et tu t'as un truc à dire? Le mot de la fin? C'était beau ça? Oui, la galette! De quoi? Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a ce qu'il faut. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci Simon. Merci.